Dieu pardonne-moi, ah, ce monde me fait peur, peur. Je vois les vrais visages, ah, je veux sortir mon gun, gun. Mon Dieu pardonne-moi. Et bien salut tout le monde, c'est Skola. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, comme vous aurez pu le voir au titre ou à la miniature, hein, si vous avez cliqué, c'est bien pour augmenter vos FPS sur GTA 5 PC. Voilà, après ça dépend de votre PC, ça dépend de tout, hein. Ça dépend, vous avez peut-être gagné que 5 FPS, il y en a, ils vont gagner 20, ça dépend de leur PC, tu vois. Vraiment, ça dépend. C'est comme aussi, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, c'est ma toute première vidéo de ma chaîne. Je crois qu'elle a 7000 vues. Bref, c'était une vidéo pareil, tuto pour Fortnite. Ça avait plu à d'autres personnes et ça n'avait pas plu à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que voilà, comme je viens de vous dire au début de la vidéo, eh bien ça dépend les gens. Donc voilà. Donc déjà, juste avant de commencer la vidéo, go les 13 000 abonnés. Là, on est actuellement, on est le 29 et je suis à 12 300. Ça fait super plaisir. Et voilà. N'hésitez pas, si vous vous abonnez, à activer la cloche de notification. C'est très important pour rater aucune de mes vidéos. Maintenant, je vais faire moins de mode menu. Je vais faire beaucoup de glitch, mais vous inquiétez pas, il y aura encore des bonnes menus. Et voilà, si vous voulez d'autres tutos sur GTA et tout, hors des glitchs et des bonnes menus, ben n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Aussi, le serveur Discord est en description. Et pour cette vidéo, on vise les 200 likes. Je pense qu'on en est vraiment capable, hein. Je fais à peu près 1000 voire 2000 vues par vidéo. Donc si on fait 200 likes, bah ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à commenter en commentaire. Bah imaginons, si tu likes, t'es le 30e like, bah tu mets tes 30e like et ça me ferait plaisir. Je mettrai un petit cœur et carrément, si j'ai le temps, je répondrai carrément à ton commentaire. Donc voilà. Donc pour commencer, déjà la première étape, il faudra tout simplement avoir une carte graphique Nvidia et vous rendre dans les paramètres de la carte graphique. Donc vous ferez clic droit, paramètres de configuration Nvidia. Donc en gros, ça va vous ouvrir ce menu. Tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez aller dans régler les paramètres d'image avec aperçu. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, de base, normalement, ça sera comme ça. Et genre ça, ça sera sur la qualité. Vous allez cliquer sur utiliser mes préférences pour améliorer. Et genre de base, c'est comme ça. En gros, votre carte graphique, elle va plus se baser, dès que vous allez lancer un jeu et tout, sur la qualité. Et là, elle va plus se focaliser sur la performance. Donc en gros, la qualité, elle sera peut-être un peu moins bonne. Mais en tout cas, votre carte graphique, elle va être à 100% de ses capacités pour avoir de meilleures performances. Donc moi, pour ma part, je sais pas si on peut l'avoir ici, mais bref, j'ai une vieille carte graphique, j'ai une Nvidia GT 620. Donc moi, j'ai gagné à peu près 20 FPS, c'est déjà bien. Avant, je tournais à 30, là je tourne à 50-55. Voilà, c'est pas énorme, mais moi ça me suffit largement. Donc voilà, déjà cette première étape, elle va vraiment vous aider un max. Après, vous descendrez dans gérer les paramètres 3D. Donc voilà, donc pour la deuxième étape, alors moi je vous conseille de mettre pause et regardez bien ce que j'ai mis et vous faites pareil. Voilà, en gros, ça va désactiver des trucs qui servent à rien et ça va vous faire gagner, à force, ça va vous faire gagner un tout petit peu d'FPS par un tout petit peu. Donc voilà, c'est vraiment que bénéfique pour vous. Donc voilà, je vous le fais voir doucement. Voilà. Voilà, alors il y a des trucs qui sont activés, c'est normal, si je les laisse activer, c'est bien parce que ça sert à quelque chose. Donc voilà. Donc voilà, déjà avec la partie d'Nvidia, on a fini. Pour ceux qui n'ont pas de carte graphique Nvidia, je suis désolé, j'ai rien pour vous. Et aussi, ouais, quand vous modifiez, imaginons vous faites ça, désactiver, et n'oubliez pas d'appliquer en faisant juste appliquer ici. Une fois que vous avez fait activer, vous pouvez tout simplement fermer la page. Donc voilà, maintenant on va se retrouver sur GTA pour tout simplement toucher un peu à tous les paramètres de GTA. Donc c'est parti. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les paramètres. Donc vous pouvez le faire quand il est lancé le jeu ou pas. Vous allez aller dans graphisme et tout simplement, moi voilà, je vous fais voir comment je joue. Vraiment, si vous voulez vraiment avoir un maximum d'FPS, moi avec ça je suis à 70 et normal je suis à 55 comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec ça, vraiment, vous allez tourner un maximum. Certes, la qualité sera un peu dégueulasse, mais bon, on s'en fout un peu. Mais sinon, si vous voulez avoir une bonne qualité et avoir de bons FPS, je vous conseille de mettre comme ça, en 720p. Ça, vous mettez cette qualité là et vous mettez 60 Hz. Vous faites appliquer les modifications tout simplement. Et voilà, déjà vous avez un jeu d'une meilleure qualité. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'aura aidé et t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait vraiment super plaisir, poto. Et voilà, n'hésitez pas à liker comme je vous dis en début de vidéo. C'était Skola. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.